Aujourd'hui, je pense d'abord aux personnes qui ont souffert suite à cette année tout de même un peu particulière et parfois même terrible que nous avons connue. Bien évidemment, aux malades tout d'abord qui ont affronté le coronavirus et puis aussi aux familles qui ont perdu un être cher, une personne proche, un ami. Au monde économique qui traverse aussi les tourbillons sur Bressuire, évidemment, les petits commerces, mais aussi nos restaurants qui n'ont pas encore toujours rouvert, aux traiteurs qui attendent avec impatience les nouvelles manifestations, les mariages ou autres fêtes de famille. Je pense aussi à tous ces jeunes qui ont souffert eux aussi de ce confinement, qui font leurs études à distance, qui ne voient pas régulièrement leurs amis. Enfin bref, à vous tous les Bressuirais qui avez, comme je le disais au début, vécu un peu cette année de façon un peu particulière et voire triste, eh bien je veux vous dire que 2021 arrive. Et avant 2021, eh bien il y a un hommage à rendre aussi aux Bressuirais. Ce sont d'abord les soignants, les médecins, qui ont su trouver une solidarité même entre eux, avec le CHNDS, entre médecins privés, entre médecins travaillant dans les structures publiques et qui ont rendu un service important à la population, mais bien aussi les infirmières, les aides-soignantes, le CCAS aussi, le centre social qui amène toute son aide aux personnes qui sont dans une grande précarité. Et puis à vous, Bressuirais, je rends hommage aussi pour la solidarité dont vous avez su faire preuve auprès de vos concitoyens, et puis surtout pour le respect des gestes barrières que vous avez très bien appliqués sur Bressuire. Et ça, je suis un peu fière de cette ville, car nous sommes encore relativement préservés au final par cette maladie. Alors voilà, 2021 arrive, nous avons tous, je crois, un petit peu hâte de voir cette nouvelle année, de voir ces problèmes s'éliminer. Et donc Bressuire, eh bien, est rempli de projets avec une équipe municipale, des services qui ont envie de vous apporter de belles choses pour 2021. Vous allez d'abord voir le chantier de la gare qui va se finaliser, une cité de la jeunesse construite bien évidemment par l'agglo de B, un pôle d'échange multimodal et puis une nouvelle école à la fin de l'année où les enfants pourront sans doute rentrer à partir de 2022, mais les travaux seront finis en 2021. Cœur de ville, lui aussi est un projet très important pour Bressuire, avec notamment un projet bien lancé, c'est celui de la ludothèque, où les familles, les particuliers vont pouvoir venir jouer et s'amuser dans ce lieu sous le passage de la Poste qui ne demande qu'à revivre. Et puis, c'est l'année de la jeunesse. J'ai parlé des jeunes au début, je reparle encore des jeunes. Vous allez le voir, toute l'année, il va y avoir des événements qui vont s'écouler au gré des mois et au fil des jours pour le plus grand plaisir des jeunes et puis j'espère après tout des moins jeunes aussi. Alors de tout cœur, avec mes collègues du conseil municipal, je vous souhaite bien évidemment en premier lieu une bonne santé et puis aussi des moments conviviaux à partager avec vos familles, vos amis et j'espère pouvoir vous recroiser bientôt dans les rues de Bressuire.